Messieurs, dames, merci à vous tous qui êtes ici présents à l'Hôtel de l'Industrie pour notre conférence de ce soir. Merci, messieurs, pour les interventions qui seront les vôtres dans un instant. Je me permets de vous accueillir. Je suis donc Sylviane Vilaudière, vice-présidente de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, ici à Paris. Et nous organisons avec nos partenaires de la FACE, de l'IUSF Île-de-France et de l'association Bernard Grégory, ces conférences pour le développement de la science et l'innovation au service de l'industrie. Vous êtes des habitués, je sais, je retrouve des visages, et vous êtes aussi déjà nombreux sur l'application Zoom pour suivre à distance cette conférence. Alors, nous avons ces conférences, comme vous le savez, toujours sur le même format. Des interventions formidables, et ça c'est toujours le cas, je ne vous le cache pas, avec une approche scientifique et toujours une intervention aussi d'ordre plus économique ou sur les enjeux de mise en œuvre dans le monde, je dirais, de la vraie vie, au-delà de l'approche et de l'innovation scientifique qui nous est présentée. Donc c'est toujours cette approche, et pour ce soir, un thème qui, je le vois, nous attire tous, nous intéresse tous, puisque vous êtes très nombreux ce soir inscrits à cette conférence. Et je laisse la parole au professeur Patrice Debray pour nous introduire cette séance, nous présenter les deux experts intervenants de ce soir. Merci Patrice pour cette formidable préparation que vous avez faite de cette conférence de ce soir. Merci à vous. Merci Sylviane, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc professeur à la Pitié-Salpêtrière, mais je suis surtout le vice-président de la FACE, qui, avec la SEIN, comme vient de le dire Sylviane, et une série d'autres associations partenaires, organise ce type de réunion. Alors, ce soir, nous allons entrer dans la problématique des troubles cognitifs, quelque chose qui est extraordinairement important aujourd'hui, à la fois sur le plan diagnostic, mais aussi pronostic, et introduire dans la maladie d'Alzheimer, particulièrement avec Bruno Dubois. Bruno Dubois est professeur à la Pitié-Salpêtrière. Il dirige un très grand institut qui est l'Institut de la mémoire. Il nous en dira d'ailleurs quelques mots. Et c'est surtout le principal, je vais dire ça comme ça, le principal spécialiste français de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs apparentés. Il va nous dire aujourd'hui de quelle manière la biologie peut arriver à décrypter, malheureusement, les troubles qui surviennent au cours de la maladie d'Alzheimer et d'une certaine manière prédire l'évolution. J'ajoute que Bruno et moi nous connaissons depuis très longtemps et avons été et sommes d'ailleurs des partenaires de la Pitié-Salpêtrière, mais à l'ICM, donc à l'Institut du cerveau et de la moelle, un autre institut, vous voyez, se trouve également Pierre Foulon, qui est un jeune innovateur, on va dire ça comme ça, qui s'est lancé dans les biotech. Et va nous décrire aujourd'hui à partir de deux biotech. La première qui est MindMaze France, je m'excuse, je lisais là le titre, dont il est directeur général, et un autre qui est BrainLink Innovation, va nous décrire donc les problèmes que pose aujourd'hui, à partir des découvertes des scientifiques, la possibilité d'aller vers l'innovation et vers des jeunes start-up et des biotech. Voilà, donc vous connaissez, tout le monde connaît maintenant la règle du jeu. Bruno Dubois va parler pendant une quarantaine de minutes et Pierre Foulon suivra derrière pour, si je puis dire, en complémentaire, nous montrer comment on passe de la découverte à l'innovation. Donc Bruno, à toi. Merci beaucoup Patrice. Pardon. Merci beaucoup Patrice. De cette invitation, vous me proposez de rester là? De cette invitation, merci Madame Vilaudière de m'avoir invité également à parler des maladies dégénératives, et ça ne te surprendra pas, j'ai choisi de parler de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? D'abord parce que c'est un sujet que je connais bien, mais non, mais c'est surtout parce que je pense que c'est un modèle extrêmement intéressant pour justement montrer l'apport des neurosciences, car c'est une maladie qui vient de rentrer, je dirais, tardivement dans le domaine des neurosciences. Pas faire l'historique, mais si vous voulez, j'en dirai un mot d'ailleurs de l'historique, mais elle a longtemps été
je dirais, prises en charge par les gériatres et qui ont fait un travail remarquable de prise en charge de ces patients. Et ce n'est que récemment que les neurologues, que les neurosciences ont cherché à pénétrer les causes et les mécanismes de cette maladie. Donc, c'est, je dirais, les informations que je vais vous donner sont relativement récentes. Et vous allez voir en quoi c'est une maladie qui est un très bon modèle et, je dirais, en quoi c'est une maladie qui montre la puissance des neurosciences au cours de ces dernières années. Alors, je fais comment ? J'appuie la flèche comme ça. L'autre à droite. À droite, ah oui. Ici. Pardon. On ne m'a pas dit, alors si on ne me dit pas. D'accord. Va t'asseoir. Voilà, très bien. Voilà, je suis professeur de neurologie à Sorbonne Université. C'est bon, voilà, très bien. Voilà, alors, première raison, c'est un excellent modèle, je vais vous le démontrer. Deuxième raison, c'est qu'on peut considérer que c'est la maladie du siècle. Alors, c'était le titre d'un livre que j'ai commis il y a 2 ou 3 ans. Et j'avais appelé ça la vérité sur la maladie du siècle. Alors, depuis, il y a eu le Covid. Alors, vous allez me dire, non, la maladie du siècle, c'est le Covid. Eh bien, je considère que non. Je considère que c'est quand même la maladie d'Alzheimer, parce que le Covid, on va vivre avec. Et puis, peut-être que... Enfin, Patrice vous en dira plus. Il est beaucoup plus compétent que moi pour parler de ça. Mais je pense que le Covid... Bon, on va petit à petit, voilà, vivre avec le Covid, mais ça sera quand même la maladie du siècle, probablement, aussi. Aussi, voilà. Mais pourquoi la maladie d'Alzheimer est la maladie du siècle ? Tout simplement parce que c'est une maladie qui est naturellement fréquente quand les gens vieillissent. Et comme la médecine faisant beaucoup de progrès, nous sommes maintenant tous à peu près à l'âge où nous progressons gentiment vers l'âge où cette maladie devient fréquente, eh bien, il faut savoir que si on n'a pas la chance de mourir d'un accident de voiture à 30 ans, si on n'a pas la chance de se suicider par un chagrin d'amour, si on n'a pas la chance d'avoir un infarctus du myocarde à 50 ans, eh bien, quand on a... Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que, justement, les personnes qui ont maintenant 70, 80 ans, soit 85 ans, sont des gens qui sont en bonne santé. Parce que, justement, ils ont franchi tous les obstacles d'avant et maintenant, ils arrivent à l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. Raison pour laquelle, évidemment, aujourd'hui, on a l'impression de découvrir un tsunami qui est celui de la fréquence de cette maladie. Il faut se rappeler qu'au début du 19e siècle, dans les années 1800, l'espérance de vie n'était que de 40 ans. Aujourd'hui, elle est de 85 ans. Vous voyez le problème. Si vous avez la chance d'avoir une petite fille ou une fille qui naît aujourd'hui, 19 mai 2022, eh bien son espérance de vie aujourd'hui est de 90 ans. 90 ans, 40% des gens ont la maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une petite fille qui naît a 4 chances sur 10 d'arriver à l'âge où elle aura cette maladie. Voyez, donc c'est pour ça que ça devient la maladie du siècle. Alors, l'autre argument, si vous voulez, c'est ça, au niveau de la population générale. Vous avez sur la diapositive que je vais vous montrer, représenter le pourcentage de la population par pays qui est âgée de plus de 60 ans. Et la couleur marron, rouge, détermine les pays dans lesquels le pourcentage est supérieur à 20%. Alors vous avez ici la carte en 2012. En 2012, vous voyez que, en gros, c'était les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, toute l'Europe, vous voyez, le Japon, vous voyez le Japon là à droite. Et il y a quelques pays qui étaient même un peu plus rouges, vous voyez, par exemple, la Scandinavie, vous voyez, bon, le Japon aussi. Voilà. Enfin, c'était, vous voyez, ces pays. Regardons maintenant cette carte. En 2050, voilà ce que ce sera. Voilà, et vous avez compris. Vous avez compris, c'est-à-dire que pratiquement tous les pays auront plus de 20% de la population âgée de plus de 60 ans, mais même,
Et c'est même parce que c'est en rouge. Je crois que c'est le rouge. C'est, je crois que c'est 25% ou 30%. Vous voyez. Donc ça sera cette fois-ci, bien sûr, l'Amérique, pratiquement toute l'Amérique du Sud, la Chine, la Russie, l'Australie, enfin les mêmes pays, à l'exception notable de l'Afrique et de l'Inde. C'est intéressant, hein. Donc ça veut dire, vous voyez, vous avez compris, quoi. Vous avez compris pourquoi c'est important. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans l'approche neuroscientifique de la maladie d'Alzheimer, et je vais juste montrer une seule diapositive qui est historique. Elle est intéressante, cette diapositive, puisque vous avez là deux personnes. À gauche, c'est Auguste D., la patiente, à partir de quoi tout est parti. C'est la rencontre, finalement, entre un homme, Aloïs Alzheimer, qui est à droite, et cette femme, Auguste D. Et vous avez là l'observation de cette femme quand elle est rentrée en 1901 dans le service d'Aloïs Alzheimer. Et vous voyez, elle met son nom, Auguste D. Voilà, donc elle ne peut pratiquement plus écrire. Et donc, Alzheimer la suit jusqu'à son décès. En réalité, elle est décédée ailleurs, mais il a pu, excusez-moi l'expression, récupérer le cerveau, mais vous allez voir pourquoi c'est important. Et donc, il a pu décrire en 1906 l'observation qui, maintenant, est attachée à son nom. Et vous voyez que ce qu'il décrit, ce sont des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, des orientations temporelles et spatiales, troubles de compréhension, etc., troubles du langage, mais aussi des troubles du comportement et aussi des manifestations un peu délirantes et psychiatriques. Voilà. Donc, c'est la description clinique de la patiente et il rapporte dès cette publication les deux lésions. Ce sont les deux mots que je vous demanderai de bien vouloir retenir. Les deux lésions qu'il a trouvées dans le cerveau de cette patiente. Premièrement, des plaques amyloïdes, c'est-à-dire des plaques dans lesquelles vous avez une substance, je ne sais pas si on le voit, bon, c'est pas grave. Vous voyez, une substance amyloïde qui est cette substance rosâtre. Et puis, il a décrit également des dégénérescences neurofibrillaires, j'ai appelé ça DNF, et qui sont les lésions tau. Donc, lésions amyloïdes et lésions tau, ce sont les deux, je dirais, particularités histologiques décrites par Alzheimer. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Parce que, vous l'avez compris, finalement, c'est un diagnostic qui ne peut être affirmé que si on met en évidence ces lésions, c'est-à-dire que si, finalement, on a la possibilité de vérifier dans le cerveau la présence de ces lésions. Donc, jusqu'à il y a quelques années, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer n'était un diagnostic que de probabilité. On parlait de Alzheimer probable, puisqu'on ne pouvait pas vérifier, ou on ne pouvait le vérifier que dans quelques cas, quand les patients décédaient à l'hôpital, et qu'on allait jusqu'à vérifier en faisant une autopsie s'ils avaient bien la maladie. Vous voyez, donc, il y a eu longtemps un flou sur cette maladie, parce qu'on la confondait avec d'autres maladies. On n'était pas sûr. On disait, c'est probablement une maladie d'Alzheimer. Voilà. Et on parlait aussi de démence sénile. Vous voyez, on ne savait pas très bien ce qu'avaient les patients, parce qu'on n'allait jamais vérifier ce qu'ils avaient. Et c'est là où on va maintenant parler des neurosciences, parce que les neurosciences ont fait des progrès considérables, et vous allez voir en quoi cette maladie, au cours de ces 10-15 dernières années, a considérablement progressé dans la connaissance que nous en avons. Alors, apport des neurosciences, puisque c'était ça la question que Mme Villonnière voulait que j'aborde, apport des neurosciences dans le diagnostic, avec un C, pardon, c'est une erreur de frappe, et dans le traitement. Alors, je vais vous parler de trois approches, si vous voulez bien. Une approche thérapeutique ciblée, car grâce aux neurosciences, on peut maintenant taper sur les lésions de la maladie, vous allez voir. Deuxièmement, le concept de biomarqueur. Et je vais vous apprendre quelque chose qui est extrêmement important. C'est ce concept de biomarqueur. Ça, c'est les neurosciences. Et troisièmement, une troisième approche, c'est le repérage par des outils digitaux. Et j'introduirai comme ça la deuxième intervention, celle de M. Foulon. Alors, je vous ai dit qu'il y a des lésions amyloïdes et on a montré, si vous voulez, qu'on connaît maintenant le modèle pathologique de cette maladie. Ça commence par les fameuses DNF dont je vous ai parlé, qui sont finalement
présente chez les gens de façon normale. Nous avons tous, à partir de 40-50 ans, des DNF dans une région du cerveau qui s'appelle lobe temporal, et plus précisément au niveau de la région hippocampique. Nous avons tous des DNF. J'ai des DNF, Patrice a des DNF. Vous n'avez pas encore l'âge d'avoir des DNF, mais pratiquement tout le monde a des DNF dans son cerveau, mais qui sont très localisés, et on vit avec. On a même appelé ça PART, P-A-R-T, Primary Age-Related Tauopathy, c'est-à-dire les lésions tôt liées à l'âge. C'est banal, nous avons tous des DNF dans quelque part notre cerveau. Et puis tout à coup apparaît les plaques amyloïdes, et quand les plaques amyloïdes apparaissent dans le cerveau, alors là, ça s'entraîne une sorte d'embrasement, et les lésions tôt se mettent à envahir le cerveau. Et c'est ça la maladie d'Alzheimer. C'est la rencontre entre des lésions dormantes de DNF et l'apparition dans le cortex cérébral des plaques amyloïdes. J'ai commencé tout de suite par vous parler de la thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'on sait faire, grâce aux neurosciences, ce qu'on appelle des modèles transgéniques de maladies. C'est-à-dire que à cette époque-là, c'est une diapo qui date de 2000, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, mais on étudiait la maladie d'Alzheimer sur des modèles. Maintenant, je vais vous montrer qu'on l'étudie différemment. Mais à cette époque-là, on l'étudiait sur des modèles. On continue d'ailleurs à faire des modèles comme ça. C'est-à-dire qu'on greffe, si vous voulez, un chromosome qui, dans la souris, et elle va se mettre à produire des plaques amyloïdes. Vous avez à gauche, ici, vous voyez, des plaques amyloïdes. Voilà, chez une souris à qui on a greffé le gène qui est responsable de la production de l'amylose, pour faire simple. Bon, c'est très schématique, mais en gros, c'est ça. On a créé une souris transgénique qui produit des plaques amyloïdes. Et vous avez, à ce moment-là, un chercheur américain qui s'appelait Del Schenck, qui a dit, je vais mettre au point un système, un vaccin. C'est pour ça que vous avez entendu parler de ce fameux vaccin anti-Alzheimer, dans lequel je vais mettre un... Alors ça, je suis confus de parler de ça devant Patrice, parce que c'est le spécialiste français de son nom je vais parler. Mais donc, il a mis au point un vaccin en créant des anticorps chez des espèces animales, et qu'il a injecté aux souris des anticorps dirigés contre la protéine amyloïde. Et regardez le résultat. Quand on l'injecte chez la souris, avant qu'elle ne fasse les plaques, eh ben vous voyez qu'elle n'en fait pas. C'est-à-dire que cette souris à droite qui a reçu le vaccin a le même âge que la souris à gauche qui n'a pas reçu le vaccin. Elle ne fait pas de plaques alors que l'autre en fait. Donc, quand on a vu cette image en 2000, on s'est dit, ça y est, on a gagné. On a le vaccin qui empêche l'apparition des plaques amyloïdes dans le cerveau des patients, des sujets. Et on sait traiter les lésions de la maladie. On s'est dit, voilà, on sait traiter les lésions de la maladie. Donc on a gagné. Et effectivement, et ça, vous ne le savez pas, parce qu'on ne vous dit pas les choses importantes. On vous parle de choses... On vous parle, je ne sais pas quoi, de Tom Cruise, hein, mais on ne vous parle pas des choses importantes. Les choses importantes, c'est ça. C'est que les derniers médicaments qui sont actuellement en développement dans la maladie d'Alzheimer, que j'ai en main à la Salpêtrière, j'étudie ces médicaments à la Salpêtrière. Quand vous rentrez des patients dans l'étude de ces médicaments, on va les suivre pendant 18 mois. D'accord ? Pendant 18 mois. Donc au début, grâce aux biomarqueurs, j'en parlerai après, on mesure leur concentration de lésions dans le cerveau, et on les traite pendant 18 mois. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les derniers médicaments, les trois derniers médicaments que nous avons à notre disposition, qui sont l'aducanumab, le lecanemab et le donanemab, qui sont des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés, tous, ils nettoient les lésions dans le cerveau des patients. C'est-à-dire que à la fin des 18 mois de traitement, ils n'ont plus de lésions. Regardez, passe de 100 à 20%, même au-dessous de 20%. Donc on a des médicaments aujourd'hui qui nettoient les lésions. Ça y est, on a gagné. Vous avez vu, on a le modèle de la souris,
on a le modèle, on a cette réalité. Ce sont des données qui sont des données formelles. Bon. Donc voilà, les disease modifiers bloquent le développement des oïdes. Sauf que, ça ne marche pas sur les symptômes. Et voilà. Sur les symptômes. Ben, c'est quand même le but. C'est quand même le but, c'est pas qu'on soigne des lésions, c'est qu'on soigne des symptômes. Donc il y a un bug. Mais c'est intéressant parce que on est sur le chemin. Et une, vous n'avez pas l'air convaincu. Vous êtes un peu déçu là. Oui. Ben, on a tous été extrêmement déçus, si vous voulez. Parce qu'on a des médicaments qui sont remarquablement efficaces, mais qui n'améliorent pas encore les symptômes. Pourquoi ? Parce que quand on étudie les malades avec ces médicaments, ils sont déjà entrés dans la maladie, ils sont déjà très avancés dans la maladie. Et on a montré, avec des biomarqueurs, je vous en parlais après, que les lésions ont atteint déjà un plateau quand les premiers symptômes apparaissent. Donc on est probablement trop tardif quand on étudie ces médicaments. Alors vous voyez où je veux en venir. Donc l'idée, changement de paradigme, traiter le plus tôt possible à la phase qu'on a appelée prodromale, c'est-à-dire au début des symptômes, peut-être même avant les symptômes. Attendez, c'est compliqué là. Vous me dites, on va traiter la maladie avant les symptômes. Je vais vous expliquer exactement où on en est. Donc l'idée, c'est de repérer les patients plus tôt, d'où ce que Pierre va nous expliquer après. Alors maintenant, les biomarqueurs. Alors les biomarqueurs, c'est une révolution. C'est une révolution incroyable. Depuis 2004, ça fait 15 ans, un peu plus, c'est 16 ans, c'est 17 ans. On peut visualiser la présence des lésions dans le cerveau des patients. Ça, c'est une révolution. Vous avez à gauche, alors vous avez la grille de lecture, vous voyez, de 0 à 3 à gauche, vous voyez. Enfin, oui, à gauche. Donc, quand c'est bleu, c'est froid. Et quand c'est rouge, c'est chaud. C'est-à-dire, c'est chaud, il y a beaucoup de lésions. Ce sont les lésions que l'on mesure. Vous avez, dans l'image de gauche, un sujet contrôle, un sujet normal. Ben, vous voyez, c'est bleu. Il n'a pas de lésions, notamment au pourtour, dans le cortex, dans l'écorce. Vous voyez, il n'y a pas de lésions chez ce patient, chez ce sujet. Il est normal. Mais à droite, vous avez un patient atteint de AD, Alzheimer's disease, de maladie d'Alzheimer, et vous voyez qu'il y a une fixation du ligand de la molécule qu'on a injectée qui se fixe sur les lésions de la maladie. Donc là, on a la possibilité maintenant de mesurer, si vous voulez, madame, ce soir, nous pouvons aller à la salpêtrière. Ça, je ne vous lâcherai plus. Hein. On peut aller à la salpêtrière et on peut regarder si vous avez les lésions de la maladie. On vous injecte une substance et une demi-heure après, on sait si vous êtes comme à gauche ou comme à droite. Voilà. Alors, mais là, ce sont des patients, donc ça veut dire qu'ils ont des symptômes. On peut aussi, si vous préférez, vous faire une ponction lombaire. Parce que, vous voyez comme ça avance, on a maintenant la possibilité, simplement en faisant une ponction lombaire, qui est un geste extrêmement banal, je vous assure, extrêmement banal, qui ne, en plus, maintenant, avec les aiguilles qu'on a, j'allais dire, c'est presque un plaisir. Non, je vous assure, on fait ça très, très bien. Eh bien, on arrive à retirer du liquide qui a baigné autour du cerveau. Et donc, on peut récupérer des informations dans le liquide céphalo-rachidien sur l'état des lésions cérébrales. Et effectivement, vous avez des méta-analyses extraordinaires qui montre que dans le liquide céphalo-rachidien, on mesure la concentration amyloïde et la concentration tau. Dans la maladie d'Alzheimer, l'amyloïde est abaissée dans le liquide céphalo-rachidien et les concentrations tau sont augmentées. Donc aujourd'hui, nous faisons le diagnostic quotidiennement de maladie d'Alzheimer, c'est que nous avons la possibilité de confirmer grâce aux biomarqueurs. Donc on fait ce diagnostic chez des gens qui viennent nous voir. On nous adresse ces patients en disant voilà, il y a des troubles de mémoire, on ne sait pas très bien ce qu'il y a, bon, ben, on les examine, et puis on fait la ponction lombaire, et le lendemain, on a la réponse. Augmentation de la tau, diminution de la bêta,
on a la confirmation. C'est comme si on avait la coupe du cerveau, vous voyez. On ne fait pas trop le PET amyloïde parce qu'on n'a pas le droit de le faire en France. C'est une autre affaire, mais le ministère de la Santé nous a interdit de faire le PET amyloïde en clinique. C'est dommage. On avait acheté des machines, on a acheté un PET IRM pour ça, mais on n'a pas pu obtenir que le ministère nous autorise à faire cet examen. Donc on fait des ponctions lombaires, ça coûte moins cher. Alors, attendez, vous allez voir comment on avance. C'est une diapo que je vous réserve parce qu'elle n'est pas publiée. C'est une information qui est toute récente et qui ne doit pas sortir d'ici. Elle n'est pas confirmée. Mais nous sommes en train de mettre en place des dosages sanguins. Donc ces anomalies qu'on observe dans le liquide céphalo-rachidien, on peut probablement les identifier dans le sang des gens. Donc, madame, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se faire cet examen, mais on peut même peut-être le faire dans le sang. Et je voudrais vous montrer ce résultat, il est intéressant. Ça a été fait à la Salpêtrière avec quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Foudil Lamary. Tu vois qui c'est ? Le docteur Lamary, qui travaille avec nous. On a acheté des machines très sophistiquées qui nous permettent de faire ces dosages-là dans des concentrations nanomoléculaires. C'est des concentrations très, très fines. Et on a pu, vous voyez, isoler, séparer totalement deux populations. À gauche, des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Je vous l'avais dit, on a une augmentation de la taux. Vous voyez, augmentation de la taux dans le sang, alors que les sujets qui avaient tout autre chose qu'une maladie d'Alzheimer, sur la base des données que nous avons, notamment dans le liquide céphalo-rachidien, étaient au-dessous. Donc peut-être qu'on est en train d'avoir un outil qui nous permet de séparer dans le sang, une prise de sang qui permet de dire, alors, Alzheimer ou pas Alzheimer. Alors, attention, là c'est une étude préliminaire. On peut mettre 20 fois la main dans la chaussette et retirer la boule blanche. C'est possible, ça peut être simplement un hasard statistique. Mais enfin, quand même, il y a une indication qui est très forte. Ça tient à un certain nombre de facteurs qui tiennent à la qualité de nos prélèvements, des patients que nous suivons, de la certitude que nous avons, etc. La qualité des machines que nous avons. Ça a été fait sur une petite échelle. Il faut bien sûr le répliquer. Mais enfin, quand même, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on est sur le chemin. Vous voyez, je vous ai dit, il y a 10 ans, on ne pouvait pas faire le diagnostic puisqu'il fallait couper la tête. Aujourd'hui, on a des examens de neuroimagerie. On a la possibilité de faire une ponction lombaire. Peut-être même bientôt un examen sanguin qui nous permettra de faire le diagnostic de certitude. Vous voyez. Troisième information que je voulais vous donner, qui est quand même absolument incroyable, c'est que quand on a suivi, ça c'est une étude américaine, on suit des sujets qui malheureusement ont une forme génétique, c'est exceptionnel, 0,3%. Les formes génétiques, c'est terrible parce que ce sont des familles, les familles avec pédigré, donc ce sont des familles, si vous voulez, qu'on peut identifier. Et on sait, malheureusement, que le parent a la maladie d'Alzheimer parce que ce sont des formes qu'on repère, c'est des formes qui surviennent avant 45 ou 50 ans. Donc, ils sont très faciles à identifier, ces gens-là. On fait la recherche. Est-ce qu'il y a une mutation génétique ? Oui, il y a une mutation génétique. Ah, il a 3 enfants. Aïe. Il y a une chance sur deux qu'ils aient le gène et qu'ils vont développer la maladie. Donc, on les suit. On fait les enquêtes. Et on voit que, voilà, on a un petit groupe de gens qu'on a pu suivre et qui avaient malheureusement la mutation. Et ceux-là, ils vont développer la maladie. Mais ils ne l'ont pas encore, ils vont la développer. Et on a fait les recherches de biomarqueurs. Et on a vu que 10 à 15 ans avant la survenue des premiers symptômes, il y a déjà des anomalies des biomarqueurs. Donc vous voyez comme ça va vite. Mais si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire que avant d'avoir la maladie, on a déjà les lésions. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'on a des médicaments qui nettoient les lésions. Donc,
Donc, il faudrait peut-être donner ces médicaments à des gens qui ont déjà les lésions, pas encore les symptômes, puisque vous nous avez dit que ça ne marchait pas sur les symptômes, car c'était trop tard. Donc, peut-être que ces médicaments que vous nous avez montrés juste avant, ce sont des médicaments dont la finalité est d'être employés, d'être utilisés au tout début. C'est-à-dire peut-être avant même que les gens aient les symptômes. Vous voyez où on en est ? Et ça, c'est en 15 ans qu'on a avancé là-dessus. Et vous voyez, il y a une sorte de continuum de la maladie d'Alzheimer avec ce qu'on appelle les états précliniques. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir, mais est-ce qu'on est sûr que le fait d'avoir les lésions suffit à déterminer formellement qu'on va développer la maladie ? Il ne faut pas se planter, il ne faut pas traiter des gens pour une maladie qu'ils n'auront peut-être jamais. Vous voyez les enjeux éthiques qui sont sous-jacents. D'où l'étude qu'on a faite à la Salpêtrière, qui s'appelle l'étude Insight, qui a été publiée dans le Lancet, et dans laquelle on a suivi des gens âgés qui ont accepté qu'on recherche chez eux s'ils avaient ou pas les lésions. Ils étaient normaux. Ce sont des gens normaux, âgés. Ils avaient en moyenne 76 ans quand ils sont rentrés dans l'étude. 76 ans. Tous normaux dans les tests. Ils n'ont pas la maladie d'Alzheimer. On a recherché s'ils ont les lésions. On a pu, pour eux, faire un PET scan. On a regardé s'ils avaient des lésions dans le cerveau. Très bien. 28% d'entre eux avaient les lésions. On avait 320 sujets au départ. 28%, ça fait 88. Donc, les sujets qui étaient intéressants, c'est les 88 qui ont les lésions. Il faut que vous me suivez. Donc, il y en a 88 qui ont les lésions. Ils ont 76 ans. On les suit pendant 7 ans. D'accord. Donc, ils ont maintenant 83 ans. Ce n'est pas des perdreaux de l'année. Hein. 83 ans, ils ont des lésions de la maladie d'Alzheimer. Très bien. Eh bien, seuls 16 d'entre eux, sur les 88, ont évolué vers la maladie. Donc, ça veut dire que, et je passe rapidement, mais sur les 10 qui avaient à la fois les lésions amyloïdes et les lésions tau, on a le même pourcentage, seuls 2 ont évolué vers la maladie. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les lésions sont nécessaires, bien sûr, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut qu'il y ait probablement d'autres choses, soit d'autres facteurs de risque associés, soit qu'il y ait des mécanismes de compensation et que le cerveau soit capable, évidemment, de résister contre l'agression et la maladie. Et nous avons démontré, je ne dis pas que c'est la solution, mais nous avons démontré dans cette étude mais qu'il y a effectivement des mécanismes de compensation. C'est peut-être un des mécanismes, il y en a d'autres, mais peut-être qu'il n'a pas énormément de valeur, mais ça nous a quand même énormément troublés, parce qu'on a pu faire des électroencéphalogrammes chez tous ces sujets qu'on a suivis. On faisait un électroencéphalogramme tous les ans, chez les 320 sujets, c'est un énorme travail. Vous avez en haut ceux qui sont amyloïdes négatifs, qui n'ont pas de lésions, et vous avez au-dessous ceux qui ont des lésions, mais qui sont restés normaux. Donc ils sont tous normaux, sauf que en haut, ils n'ont pas de lésions, en bas, ils ont des lésions. Eh bien, que voit-on ? On voit que ceux qui ont des lésions ont des modifications de leur activité électrique dans leur cerveau. Puisque vous voyez qu'au fur et à mesure des années, vous voyez, une année 1, 2 et 3, on voit une augmentation de l'activité des bandes alpha au niveau frontal, comme si finalement il y avait des mécanismes de compensation qui permettaient de maintenir la fonction, puisqu'ils sont normaux, alors même qu'il y a une altération de la structure. D'où l'idée, si vous voulez, qu'il y a le concept de brain resilience, qu'il y a une résilience cérébrale qui permet finalement de maintenir le fonctionnement et d'éviter de rentrer dans la maladie, alors même qu'on a les lésions. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'aller le plus tôt possible vers les troubles de mémoire pour repérer les patients les plus tôt. Mais on a tous des plaintes de mémoire. On est tous, à partir d'un certain âge, on a tous des raisons de se plaindre de sa mémoire. Et donc, là-dedans, il faut repérer ceux qui vont avoir éventuellement un signal qui serait en faveur de la maladie pour pouvoir les traiter le plus tôt possible. Vous avez compris ? L'intérêt avec ces médicaments qui vont arriver sur le marché. D'où l'idée de projet santé cerveau. Je vais passer la parole à tu le présentes ça.
Bon, simplement, c'est un outil de repérage des troubles cognitifs, voilà, qui est constitué de questionnaires et de tests. On a mis au point des tests qui sont très sensibles et qu'on a développés en partenariat avec la région Île-de-France et avec, bien sûr, MindMaze. Alors, on a fait une étude de validation, rapidement, je suis pratiquement fini, hein. Une étude de validation, vous voyez, 64 patients, 65 sujets cognitivement normaux. Et alors, pour chacun de ces patients, on a étudié, on a ce petit test, si vous voulez, et puis on les voyait, nous, à la consultation à l'Institut de la mémoire, on leur faisait une batterie d'examens extrêmement approfondie, y compris la ponction lombaire. Et ce qui est intéressant, c'est ça le principe de la validation. Et bien, vous voyez, c'est qu'on a des corrélations extraordinaires entre nos tests et les tests réalisés par les spécialistes, par les neuropsychologues. Et là, c'est, vous voyez, le Firewall test, c'est juste le test digital. Et vous voyez, on a une sensibilité, une spécificité qui est extrêmement élevée avec un petit test qui dure 15 minutes et dont va nous parler Pierre Foulon. Voilà. Donc, valider les enjeux, valider les biomarqueurs pathophysiologiques fiables et d'accès facile, ça, c'est dans le sang. Identifier des algorithmes prédictifs fiables du risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, l'idée, c'est que quand on fera le prélèvement sanguin, cela ne suffira pas, parce que d'abord, il est fragile, et qu'en plus, le fait d'avoir les lésions ne suffit pas de certifier qu'on aura la maladie. C'est un enjeu éthique, et monsieur l'avait acquiescé quand j'avais parlé de ça, mais sachez qu'en plus, on est en discussion forte et assez chaude avec les Américains. Mes collègues américains, eux, considèrent que le fait d'avoir les lésions suffit à considérer que les gens ont la maladie, et ils ont déjà lancé des études avec ces médicaments chez ces patients-là. Et moi, je leur dis non, vous n'avez pas le droit, parce que vous n'êtes pas sûr que ces gens vont développer la maladie. Donc, nous, on en a 20%, hein, tout juste. Et vous ne pouvez pas soumettre des gens à des médicaments potentiellement dangereux pendant des durées que vous ne connaissez pas pour un risque qui n'a pas été clairement identifié. Donc il faut commencer par bien maîtriser les algorithmes prédictifs pour pouvoir sélectionner les gens qui vont pouvoir bénéficier de ces médicaments. Voilà, d'où le projet CERMAD, le projet de construction d'un centre de recherche que je suis en train de monter à la Salpêtrière et qui permettra, voilà, bon, de voyez, d'avoir des bases de données et pour pouvoir faire un centre de prévention de la démence et d'évaluer le risque personnalisé sur la base de ces algorithmes prédictifs pour pouvoir faire des interventions ciblées et puis pouvoir donner ces médicaments qui sont en développement. Vous voyez que en quelques minutes, on est passé d'une vision, je pense, un peu passive et un peu passéiste de la maladie d'Alzheimer, a une vision très moderne. On est complètement dans les neurosciences, avec plein d'approches, à la fois dans la perspective de faire maintenant des prélèvements sanguins, et aussi de développer des outils digitaux pour nous permettre de repérer le plus tôt possible ces patients qui sont à risque, pour pouvoir leur permettre d'avoir ces médicaments qui ont été développés, là aussi, grâce aux neurosciences. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Madame. Eh bien, justement. On va peut-être garder les questions pour tout à l'heure. Oui. Ce que je vous propose, c'est que nous attendions la fin complètement pour entendre voilà, tout ce qu'il y a comme outil en biotech pour poser les questions après. Vous pouvez garder votre question. Merci, Bruno. Donc, je m'appelle Pierre Foulon. Moi, je dirige la branche française d'une entreprise qui s'appelle MindMaze, qui est une société qui est spécialisée en neurotechnologie. C'est-à-dire qu'on marie à la fois tout ce domaine de neurosciences dont Bruno est un grand expert et toute la partie technologique et qu'est-ce qu'on peut faire pour cet ensemble de pathologies, comment on peut utiliser les technologies et comment on peut les mettre au service à la fois des patients et des professionnels de santé. Donc MindMaze est une entreprise importante, hein, on est à peu près 250 et sur tous les continents aujourd'hui, et on travaille sur un certain nombre de pathologies purement neuro, qui sont l'AVC, où il y a des gros besoins de rééducation, sur la maladie de Parkinson, qui a des gros problèmes de troubles de la marche, de l'équilibre, de chute, etc. Sur la maladie d'Alzheimer, je vais vous présenter un projet que l'on a monté avec le professeur Philippe Robert du,
du Centre Mémoire de Nice. On travaille aussi sur d'autres pathologies autour du cerveau, l'autisme, la maladie de Kadazil, etc. etc. Et on ne fait que ça. On marie les technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire les applications digitales qu'on peut trouver sur tablette et autres, et les pathologies liées au cerveau. Donc on travaille, voilà, ce qu'on appelle ça les thérapies digitales. Qu'est-ce qu'une thérapie digitale ? C'est un traitement scientifiquement validé. C'est-à-dire qu'on suit tous les processus de validation clinique, hein, phase 1, phase 2, phase 3. Alors maintenant, c'est un peu un jargon que réservé aux spécialistes. Avec le Covid, maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'une phase 2, une phase 3, etc. Une phase 4 même. Maintenant. Bon. Donc c'est un traitement qui est scientifiquement validé sous forme de, et qui est sous forme de solutions numériques. Donc une application informatique sur tablette, sur ordinateur et autres. Et on intervient pour prévenir, gérer ou traiter un trouble médical ou une maladie. Voilà. Notre métier est essentiellement sur cet axe-là. Donc, on a une feuille de route qui est assez contraignante, nous qui venons du digital et des technologies. On a l'habitude d'aller très vite et d'avoir des évolutions technologiques, mais vraiment, c'est quasiment semestre après semestre. Dans le monde de la santé, eh bien, on est dans un autre rythme qui est celui de la santé. Donc, sur lequel on se cale, hein. Donc on va dans un premier temps identifier un besoin de santé publique, donc par exemple la maladie d'Alzheimer. On va créer une thérapie digitale, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de conception, de réalisation autour d'une pathologie. Donc on est à la fois avec les patients, directement avec eux et avec les professionnels de santé. On est par exemple basé à l'Institut du cerveau à Paris ou dans divers hôpitaux à Nice ou autres. Donc on est au cœur du monde de la santé. Et ensuite, on va suivre tout un processus de validation clinique. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'effet clinique de notre innovation chez les patients. Donc on fait des études de phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, etc. On va aller un peu plus loin, c'est-à-dire on va aller mesurer l'impact médico-économique. C'est-à-dire que quel impact notre innovation peut avoir sur le système de santé. On a une application sur la maladie de Parkinson qui a de très très bons résultats sur la réduction des chutes, donc qui supprime les chutes chez 7 patients sur 10. Vous voyez, l'impact médico-économique sur le système de santé, il est très important. Il y a une réduction très importante d'opérations du col du fémur, donc des trajets domicile. Professionnels de santé en moins, etc. Voilà. Et le coût médico-économique, il est là. Donc ce sont des choses qui se mesurent. Donc on fait ça. On maîtrise ensuite toute la partie réglementaire. C'est-à-dire, grosso modo, c'est pour devenir un dispositif médical. Aujourd'hui, on est dispositif classe 1. Demain la réglementation européenne a changé. On sera classe 2A ou 2B. Bon, on fait tout ça aussi. Et on va, une fois qu'on a fait toutes ces étapes, qui sont finalement le même processus qu'une molécule pour un médicament, on va sur le marché ce qu'on appelle des dispositifs médicaux numériques. À la seule différence avec les médicaments, c'est qu'on est en ligne. C'est-à-dire qu'on accède à nos solutions par Internet. Vous voyez ? Donc ça change beaucoup de choses. Si on parle du marché, notre marché, nous, il suffit de faire nos produits dans toutes les langues, il est mondial. Nos serveurs sont en France, on respecte tous les protocoles de données de santé, etc. Mais notre vision du marché, elle est complètement différente. Et là, elle est numérique. Vous voyez, donc on se déploie très facilement. Voilà, c'est une autre vision. Donc la maladie d'Alzheimer, je voulais en parler un peu, mais je pense que Bruno le fait mieux que moi, donc je vais passer cette diapositive. Je précise, évidemment, et c'est très important, que nos solutions ne s'adressent qu'à des personnes qui sont en début de maladie. Là où on peut intervenir, parce que nous, on sollicite énormément les patients sur plusieurs aspects, donc on est vraiment en début de maladie. Donc vous voyez, je vais expliquer d'abord pourquoi un jeu. Vous savez, quand quelqu'un a une pathologie, un AVC, la maladie de Parkinson et autres, il rentre dans un processus de rééducation ou de
prise en charge. Et c'est des choses qui sont extrêmement répétitives. Il faut faire ça tous les jours, tous les deux jours, etc. Donc quand on inclut tout ce processus-là dans un environnement ludique, on casse un peu la démarche de pénibilité et on transforme ça en partie de plaisir. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a les ressorts du jeu vidéo qui sont très puissants. L'image est un peu fausse sur l'utilisateur du jeu vidéo, hein, parce que la moyenne en France du joueur, c'est pas 16-17 ans, c'est 41 ans, voire peut-être même un peu plus. C'est aussi, il me semble que c'est à 60% féminin, vous voyez. Donc ça veut dire que ces personnes-là, avec les statistiques de Bruno, ce sont nos prochains patients, vous voyez. Donc c'est des populations qui seront déjà familiarisés avec l'environnement du jeu vidéo. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on met quelqu'un dans un environnement de jeu vidéo, on peut lui demander de faire des choses répétitives, un peu bizarres, et il va les faire en s'amusant. C'est-à-dire qu'il faut taper dans les mains, mais pas taper dans les mains 10 fois. Ça va être 350 fois, vous voyez. On n'a aucun problème d'acceptabilité de faire un certain nombre de mouvements qui sont, je vous assure, très, très particuliers. Alors, quand on fait ce type de jeu vidéo, nous, le cahier des charges, si vous voulez, et les objectifs thérapeutiques que l'on détermine pour ce type de jeu, ils sont ici. C'est-à-dire de la stimulation physique, de la stimulation cognitive, de la stimulation comportementale, et puis garder un contexte émotionnel positif. Et puis, on va comme ça, faire des actions répétées, intensives, sur la durée, avec beaucoup d'interactions et puis beaucoup d'outils de mesure. Ça, c'est notre cahier des charges. Alors là, vous voyez, on est loin du jeu vidéo. Nous, le jeu vidéo, si vous voulez, on travaille beaucoup de choses. On va rajouter un jeu vidéo sur la fin qui va nous tirer vers le haut énormément de processus qu'on a déterminés. Donc, par exemple, pour l'activité physique, on va travailler, alors ça c'est moins rigolo, hein, c'est la coordination motrice, c'est l'aérobie modérée, c'est la stabilité et l'équilibre, etc. Cette partie-là, sur l'activité physique, il faut qu'on soit, si vous voulez, une activité physique modérée. Grosso modo, c'est augmenter la fréquence cardiaque aux alentours de 55%. Quand quelqu'un fait du tai chi pendant trois quarts d'heure, il va arriver justement à cette augmentation de fréquence cardiaque, avec un certain nombre de mouvements qui sont là définis sur ces images. On va aussi travailler sur le cognitif. Donc là, ça, on va travailler sur l'orientation, le temps de réaction, la capacité d'anticipation, etc., etc. Tous ces objectifs thérapeutiques, ils sont déterminés et ils sont dans le jeu. Dans le jeu, on va aussi mettre un certain nombre de tests. C'est-à-dire qu'en jouant, donc, il y a l'activité physique, l'activité cognitive, et puis des tests. Ça nous permet à nous de voir un peu l'évolution du patient dans le jeu, vous voyez. Alors, c'est un travail très compliqué, très fin. On met beaucoup de temps pour réaliser ce jeu-là. Le jeu X-Torp, c'est un prototype. Ceci dit, il est utilisé déjà par plusieurs milliers de personnes. Il est utilisé en partie chez France Alzheimer, mais dans énormément d'institutions en France, en Europe. Voyez. Donc on a commencé à travailler sur ce projet en 2011. On a fait des études cliniques en 2013, 2016, etc. Et on est en train de mesurer l'impact médico-économique. Donc on retrouve ce temps long et nécessaire de la santé parce qu'on va toujours mesurer de manière très scientifique, très contrôlée ce que l'on fait. Voyez. Alors, la dernière étude clinique de ce jeu, X-Torp, elle a été faite financée par le ministère de la Santé sur, il me semble, un peu moins de 200 patients. D'ailleurs, les équipes de Bruno étaient mobilisées à la Pitié-Salpêtrière. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a 35% d'amélioration des comportements. Donc nous, on n'est pas, si vous voulez, dans les plaques amyloïdes et autres. On met un patient dans un certain contexte, on le sollicite énormément
et on mesure après quels sont les résultats. Donc on a 35% d'amélioration, ce qu'on appelle des comportements. Donc ça c'est, je sais pas si moi je suis pas médecin, mais grosso modo tous les problèmes et les effets dont parlait Bruno, on les améliore nous de 35%. Voilà. On a aussi une diminution de l'apathie. L'apathie, c'est quand même un fléau dans la maladie d'Alzheimer. C'est l'apathie, c'est l'absence de motivation pour faire des choses. L'apathie, ben voilà. Et donc, nous, on améliore de 30% l'apathie. Et quand on vérifie 3 mois après, eh ben, on a à peu près les mêmes résultats. Vous voyez, donc, c'est une autre démarche de traitement de la maladie qui est complètement complémentaire avec ce que fait Bruno. Et on est, nous, dans cette thématique-là, avec une autre approche, mais avec des résultats qui sont quand même assez intéressants, qui sont les premiers que l'on a. On en a d'autres qui vont arriver, parce que en 2011, quand on a commencé, ça donne ce type d'application. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. Vous voyez, la réalité virtuelle, etc. On n'avait pas ça à l'époque. Donc, on est aujourd'hui dans cet axe-là. Et je pense qu'on aura, on devrait avoir, je vais être prudent, des résultats encore meilleurs dans quelques années. Donc voilà ce que l'on fait, comment on arrive à marier les technologies et les neurosciences, et comment on arrive à créer des thérapies digitales. Et puis voilà, donc c'est pour vous dire que ce sont des dispositifs médicaux. Donc à partir du moment où c'est un dispositif médical, ils sont à disposition des patients et des professionnels de santé. Et puis, il y a un modèle économique qui est en train de se créer aujourd'hui autour de ça pour pouvoir se déployer et commercialiser ce type de solution. Mais on a une commercialisation qui est complètement différente. Nous, on peut toucher très rapidement des millions de personnes. Donc, on peut demander très peu à beaucoup. Vous voyez, donc, notre modèle économique, il est vraiment différent. Il n'y a pas encore de choses en place. Ceci dit, la réglementation en France a beaucoup évolué. La dernière loi de santé, c'est la Ma Santé 2022. Il y a un volet télésanté qui est très important et est apparu une nouvelle mode, une nouvelle solution pour justement qui prend en compte ces nouvelles technologies qui s'appelle le télésoin. Le télésoin, c'est un acte de soin à travers le numérique qui se met en place entre un professionnel de santé et son patient. Alors ça permet d'être utilisé un peu partout. Sur les territoires, et notamment avec le numérique, nous on passe partout. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, c'est sur cette image-là, nos solutions. Vous voyez en haut à droite, on a un patient avec son professionnel de santé, mais nos applications, elles sont aussi multijoueurs. Donc le même professionnel de santé, on voit bien, toujours en institution ou en cabinet, il peut traiter plusieurs patients à la fois. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les images du bas. C'est-à-dire que c'est le patient rentre chez lui et nous, on arrive à prolonger en fait l'acte de soin à la maison. Donc, il est tout seul ou plusieurs. Et là, ça peut être son entourage. Nos solutions sont beaucoup utilisées à la maison par le patient et surtout avec l'entourage familial. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a un blog qui parle que de ces thématiques qui s'appelle Santé Digitale. Je vous invite à aller voir ce genre de choses. Il y a beaucoup d'informations. Voilà ce que nous faisons. Merci. On les applaudit tous les deux. Nous allons passer maintenant aux questions. Alors, madame, votre question. Alors, attendez, parce qu'il faut peut-être un micro. Donc, on va circuler avec vous. Je voulais savoir quels sont les éléments qui font qu'un neurologue va diagnostiquer une maladie à corps de Lévy, une démence à corps de Lévy, et jamais le mot Alzheimer, alors que je vois que les symptômes sont les mêmes. Merci. Alors, justement, c'est exactement la raison pour laquelle les biomarqueurs vont être essentiels, puisque j'ai cherché à vous faire comprendre que derrière ou à côté du profil clinique, des symptômes, si vous voulez, maintenant, on peut s'appuyer sur la mise en évidence de marqueurs qui sont spécifiques de la maladie. Donc, on a un tableau qui est à peu près, vous avez raison, qui donne des troubles cognitifs, qui donne des troubles comportementaux. Et alors, la question se pose,
Qu'est-ce que c'est ? Ben, avant, on n'avait pas la possibilité de savoir. Mais maintenant qu'on a les biomarqueurs, on peut dire ben, ça, c'est une maladie d'Alzheimer parce qu'il y a les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Ou ça n'est pas une maladie d'Alzheimer parce qu'il n'y a pas les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour répondre à votre question spécifiquement sur la maladie à Cordelievi, on va avoir des marqueurs spécifiques de Cordelievi. C'est le DATSCAN qui va être positif. C'est le PET-FDG qui va montrer un hypométabolisme dans les régions postérieures. C'est éventuellement, il y a même un examen cardiaque que l'on peut faire qui peut être en faveur du Cordelievi. Et pour la maladie d'Alzheimer, comme je vous l'ai dit, c'est la diminution de la bêta et l'augmentation de la taux dans les kits céphalo-rachidiens. Aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent de séparer et de cloisonner les différentes maladies. Alors peut-être je passe moi la parole à nos amis sur le Zoom et qui nous demande, vous demande, professeur Dubois, pour quelles raisons le ministère français interdit les tests amyloïde en France ? Écoutez, c'est parce que je pense que le ministère a eu peur qu'il y ait le développement un peu incontrôlable ou incontrôlé de cet examen pour toute personne qui se plaindrait de sa mémoire. C'est vrai que la plainte de mémoire est un phénomène banal, et si on ne contrôle pas bien le recours à un examen sophistiqué qui vaut en moyenne 1500 euros par examen, c'est quand même un examen très onéreux. Donc il y a eu de la part du ministère une sorte de rideau qui a été abaissé d'entrée. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il fallait autoriser certains centres, des centres experts, bon, comme le nôtre, comme celui de Lille, de Lyon, enfin, il y a quelques centres en France, qui sont amenés à voir des patients très compliqués, très difficiles, notamment des patients jeunes. Quand vous avez quelqu'un de 35 ans chez lequel vous évoquez une maladie d'Alzheimer, on le fait, nous, quotidiennement, enfin, pas quotidiennement, mais on le fait de temps en temps en neurologie. Eh bien, c'est là qu'on aimerait visualiser les lésions, si vous voulez, pouvoir être formel. Donc, moi, je plaidais pour la possibilité d'avoir, si vous voulez, un recours, c'est-à-dire qu'il aurait fallu monter des dossiers et dire, voilà, pour ce patient, pour telle et telle raison, je pense que cet examen est essentiel. Et je pense qu'il fallait réserver un lot de, je sais pas, 50 ou 100 PET amyloïdes par an pour permettre de résoudre des problèmes diagnostique. Bon, ça n'a pas été la décision du ministère, je le regrette. Il y a eu plusieurs tentatives. Les neurologues, on a vraiment, vraiment frappé à la porte. Sachez quand même que la commission qui décide de ce genre de choses est une commission qui, par définition, ça c'est le problème, pour en parler Patrice une autre fois, ces commissions, ce sont des commissions qui réunissent des personnalités qui n'ont pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qui n'ont jamais été en contact avec ces laboratoires ou avec ces organismes ou avec ces structures qui développent ces outils. Donc, de fait, vous sélectionnez, en l'occurrence, des neurologues qui n'ont aucune compétence dans le domaine considéré. Alors, c'était des neurologues qui connaissaient bien les neuropathies périphériques, c'était des neurologues qui... voilà, mais qui n'avaient pas de compétences spécifiques et donc qui n'ont pas vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est que vous connaissez ces histoires de conflits d'intérêts, c'est-à-dire que, enfin, de liens d'intérêts, qui fait qu'on est contraint d'éloigner des décisions ceux qui ont une vraie compétence. Mais parce qu'ils ont une vraie compétence, ils ont forcément des liens d'intérêts importants. Donc il y a une sorte de quadrature du cercle dont on n'arrive pas à sortir. Autre question ? Bonjour. Est-ce que rapprochez le micro de votre bouche. Voilà. Est-ce que il y a eu une étude de corrélation entre l'amélioration des comportements que nous avons vus avec les jeux vidéo, par exemple, et puis des analyses biologiques montrant une diminution des très bonne question, taux, etc. Alors, tu veux que je réponde ? Écoutez, vous avez raison, madame. Malheureusement, non. Et c'est un peu le Il faut dire les choses. Et c'est un peu la limite et la grande difficulté qu'on a, si vous voulez, de démontrer l'efficacité de l'ensemble de ces activités. Ce qui est intéressant, c'est quand même le commentaire des familles, les commentaires des familles, les commentaires des patients. Il est probable que le fait d'avoir ces activités
régulière, plusieurs fois par jour, plusieurs jours par semaine et plusieurs semaines par an, contribue à stimuler le cerveau et à maintenir ou à ralentir un processus pathologique. Mais quand on a cherché à le démontrer, pas tellement par ces outils-là, mais tout ce qu'on appelle la stimulation cognitive, c'est l'orthophonie, toutes ces activités que l'on prescrit quotidiennement à nos patients, il y a une étude qui a été faite en France, mais très bien faite, c'est-à-dire avec placebo, c'est-à-dire avec des activités occupationnelles qui n'étaient pas spécifiques comme celles qu'on présente, eh bien, on n'arrive pas à montrer de différence significative. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Je pense qu'il faut avoir du bon sens dans cette affaire-là. Il faut certainement accepter que le fait de stimuler le cerveau, c'est forcément mieux que de rien faire et de le laisser en jachère, parce que le cerveau, c'est un peu comme une plante qu'il faut arroser en permanence. Pourquoi ? Parce que le cerveau, c'est une machine qui traite de l'information. Et si vous ne lui donnez pas de l'information à traiter, évidemment, les neurones ne travaillent pas. C'est très simple, ce que je dis. Mais j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Alors, on a des arguments indirects qui ne sont pas ceux de la pathologie. Parce que la question que vous m'avez posée, c'est chez les malades. C'est chez les malades. Est-ce qu'on a démontré que ces méthodes avaient un impact sur la maladie ? En revanche, on n'a pas pu le démontrer quand le processus est déjà engagé. Mais chez des gens normaux, on a montré que la stimulation cognitive, pour le coup, ralentit et retarde l'entrée dans ce qu'on appelle le déclin cognitif. Et on en a une preuve qui est éclatante, c'est la comparaison du vieillissement cognitif dans les pays en fonction de l'âge de départ à la retraite. Sujet extrêmement chaud. Le Conseil économique et social avait fait une étude, et moi j'ai participé à cette étude, c'était il y a une dizaine d'années, et les résultats étaient éclatants. Il y a des pays en Europe où on part plus tardivement que dans d'autres. Eh bien, le vieillissement cognitif est retardé dans ces pays-là. Et il y a une étude qui a été faite à Bordeaux récemment, qui est sortie il y a 2 ans par l'équipe de Bordeaux, et en comparant des caisses d'assurance maladie différentes. Il y avait la MSA, et ils montrent qu'en fonction de l'âge de départ à la retraite, on a un impact sur les soins cognitifs. Et quand il y avait eu ces données, parce qu'on avait travaillé là-dessus il y a une dizaine d'années, le message politique avait été « ne le dites pas, n'en parlez pas ». On nous a demandé de ne pas en parler, parce que c'était un chiffon rouge. C'est incroyable. On nous a, dans une certaine mesure, un peu empêché de donner un résultat scientifique parce que c'était contraire à l'ère du temps. D'autres questions ici dans la salle ? Oui, bonjour, bonsoir. J'ai deux questions, en fait. La première, c'est vous parliez des mécanismes de compensation. Justement, ces activités ou la pratique de ces jeux vidéo, ça participe de ces mécanismes ou c'est quelque chose de complètement différent ? C'est l'hypothèse, c'est une des hypothèses. Mais si vous voulez, comme je l'ai dit, ça sera très difficile. Je pense que c'est probablement ça, oui. D'accord. Mais on ne va pas pouvoir formellement le démontrer. Ou alors il faudrait le démontrer. Comment pourrait-on le démontrer ? Alors, c'est ce que disait madame. Il faudrait le démontrer en faisant, par exemple, des cartographies cérébrales avant et après. Peut-être de la neuroimagerie, peut-être des dosages. Alors, les dosages, moi, je connais une étude, ça c'est intéressant, mais là encore, c'était chez les sujets normaux, mais on va nous le faire chez les sujets pathologiques. Il y a des Taïwanais qui ont monté un système de dosage extrêmement sophistiqué qui permettent de voir des dosages dans le sang de ces marqueurs et notamment de la fausse photo. Et ils nous ont montré, ça ne sortira pas d'ici, hein. Ils nous ont montré que quand on prend des sujets, des sujets qu'importe l'âge, et qu'on leur fait faire un effort régulier, c'est de la marche ou de la course, X temps par jour pendant 3 mois, et bien au bout des 3 mois, on a une diminution de la fausse photo dans les kits céphalo-rachidien. C'est extrêmement intéressant. On a une diminution des marqueurs de la fausse photo chez des gens normaux, hein.
dans le liquide céphalorachidien, dans le sang, pardon, dans le sang. Je pense, pour répondre quand même, je pense qu'on aura beaucoup de réponses en suivant de près l'utilisation de ce type de jeu quand ils seront commercialisés. Parce que là, nous, après, on a des données de ce qu'on appelle en vie réelle à la maison. Et on pourra même peut-être aller avec cet ensemble de données. Et plus on a d'utilisateurs, plus on a de données, et plus on mesure ça dans le temps, on s'approchera de la médecine prédictive, comme on dit. Donc voilà, il y a des réponses, il y a des bonnes questions aujourd'hui, des réponses auxquelles on n'a pas accès encore. Voilà. Oui, en plus... Oui, en fait, juste un petit commentaire. On pourrait même les personnaliser, les jeux, en fait, pour justement les adapter. En fait, on les personnalise déjà. Oui. On rajoute ce qu'on appelle des agents intelligents ou de l'intelligence artificielle dans nos jeux qui vont repérer si le patient, aujourd'hui, il est un peu plus fatigué, par exemple, que la veille. Donc, le jeu va ralentir. Ou si on fait la rééducation du membre supérieur pour quelqu'un qui a fait un AVC, ben, les cibles à atteindre vont se rapprocher. Donc, on le fait déjà. Voyez, ou si le patient est vraiment en forme, on va accélérer un peu le jeu, on va mettre les cibles un peu plus loin. Ça, c'est assez banal même aujourd'hui. Ouais, ok. Et les algorithmes prédictifs dont vous parliez, en fait, qui permettent d'identifier les sujets à risque, c'est pas ce que vous faites vous, si j'ai bien compris. Si, vous faites ça aussi. C'est ce qu'on fait avec l'application Santé Cerveau, donc qui s'utilise sur une tablette, et que c'est un test de à peu près 15 minutes. Qui est l'équivalent, finalement, d'un rendez-vous avec un neuropsychologue qui dure combien de temps ? Une heure et demie. Une heure et demie. Et la fiabilité entre cette solution digitale et le rendez-vous avec le neuropsychologue, c'est 97-98%. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Non, c'est extrêmement intéressant. Hein. Donc, on va pouvoir, ce type d'application, la santé cerveau. Alors par contre, voilà, comment on l'utilise ? On ne peut pas déployer ça dans la nature comme ça, en disant, vous vous testez, vous avez la maladie d'Alzheimer, merci, au revoir. Ce n'est pas possible, il y a toute la prise en charge à mettre en place, etc. Donc ça va être utilisé sans doute par les professionnels de santé comme un outil de... je ne vais pas dire diagnostic, c'est réservé aux médecins, on parle de dépistage. Et ça peut être, par contre, on peut dépister... des grandes populations assez vite et les suivre semestre après semestre, vous voyez. Alors, je me rapproche des premiers rangs pour les personnes qui ont demandé la parole et vous dire que sur notre Zoom, un ami nous dit une corrélation n'est pas une causalité, c'est une remarque basique, nous dit-il. Bonjour. Je voulais savoir si simplement les causes de l'Alzheimer n'étaient pas tout simplement dues à éventuellement des traumatismes chez l'humain, par exemple, comme on peut voir chez les enfants de Ceausescu et comme on peut voir sur les diapos où, par exemple, en fait, c'est le lobe frontal qui a l'air le principalement atteint. Si, en fait, la dépression, le stress et la non-activité, parce que, comme vous venez de le dire à l'instant, le fait de marcher permet, en fait, au cerveau de stimuler la zone qui pousse à la réflexion. Donc, est-ce que, tout simplement, l'Alzheimer ne serait pas la maladie du siècle parce que, maintenant, nous sommes plus stressés, plus feignants et moins productifs, éventuellement ? Très bonne question. Écoutez, les données épidémiologiques montrent qu'il y a peut-être une relation entre... dépression tardive et rentrer dans la maladie sans qu'on sache si c'est cause ou conséquence. Il faut être très prudent. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous acceptez le principe que je vous ai exposé de ces lésions qui précèdent la survenue de la maladie et ces mécanismes de compensation qu'on est en train d'identifier, auxquels je crois, ça permet de comprendre que à l'occasion d'un événement traumatique personnel, un deuil ou une intervention chirurgicale, etc. Il y a une sorte de décompensation brutale. Et c'est ce qui explique souvent que les familles, quand elles accompagnent leurs patients, nous disent, écoutez, c'est très simple, il était parfaitement bien, et puis il était opéré de la prostate, et puis là, il s'est mis à partir en vrille pendant post-op, là, pendant 3-4 jours, il était en grande confusion, et puis depuis, eh bien, il n'a jamais raccroché. Et ces familles sont persuadées et vous disent c'est l'intervention, c'est l'anesthésie. En réalité, non.
ça a été le facteur déclenchant. Et bien sûr, l'anesthésie, la chronologie est là pour confirmer que c'est bien cet acte chirurgical qui n'a pas déclenché, mais qui l'a révélé. Mais la maladie était déjà là, compensée, etc. Donc il faut faire attention avec ces facteurs-là, ces facteurs qui sont que des facteurs qui tout à coup font apparaître un processus qui était jusque-là maîtrisé. Nouvelle question ici. Oui, merci. J'ai deux questions à vous poser, notamment une pour vous et une pour votre confrère. Alors, la première question, vous avez parlé de 2050 et vous avez dit comme quoi la maladie d'Alzheimer serait planétaire. Donc, je voulais savoir quels sont, à votre avis, les principaux ou principales causes de toute cette contamination. Eh bien, alors je réponds tout de suite et puis après vous poserez la deuxième question. Eh bien, c'est simplement dû au fait que le pourcentage de la population qui est âgée augmente et que comme c'est une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge, si la fréquence des gens âgés augmente, naturellement, et vous l'avez vu sur les représentations que je vous ai montrées, la maladie va devenir naturellement fréquente. Si vous avez tous les pays dont plus de 20% ou 25% de la population est âgée de 60 ans, eh bien, vous savez que vous aurez un nombre important. On connaît le chiffre. Hein. On connaît le chiffre. Je crois que ce chiffre n'a pas d'importance. Je crois que c'est 150 millions en 2050. Mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne veut rien dire. Tout dépend de la qualité du repérage, etc. Mais ça va être très important, c'est sûr. D'accord. Oui, la deuxième question. Alors, j'avoue que votre intervention, monsieur, m'a fait froid dans le cœur, dans le dos plutôt, pardon, par rapport à toutes ces technologies concernant le comment régler cette maladie d'Alzheimer. Moi, je suis un peu inquiète parce que je me dis, vous avez parlé de marchandisation de cette maladie, vous avez parlé de commerce, vous avez parlé de jeux vidéo pour une maladie. Donc, est-ce que la santé de l'humain se réduit à ces facteurs-là? Moi, je suis estomaquée. Par ailleurs, je voudrais quand même dire qu'il y a du personnel, notamment des gens qualifiés, par exemple, les psychomotriciens, les psychologues. Il y a un tas de métiers paramédicaux, voire médicaux, qui pourraient résoudre quand même d'une manière un peu plus humaine cette maladie d'Alzheimer, parce que franchement, voir des personnes avec la maladie d'Alzheimer qui sont en train de jouer avec des écrans face à eux comme des marionnettes, franchement, je trouve ça un peu inhumain, quoi. Alors, je vais vous répondre. Vous savez, les psychomotriciens, on les connaît bien parce que ce sont des grands utilisateurs de nos solutions et ils sont très contents de les utiliser. Et en plus, je parle de marchandisation, on donne toutes nos solutions gratuitement aux professionnels de santé. Malgré tout, on est aussi une entreprise. Madame, quand vous avez mal à la tête, peut-être vous achetez du Doliprane, il y a un modèle économique derrière. On est dans un monde... Si j'avais pu faire autrement, même avec Bruno, on ferait différemment. Voilà. Après, je peux comprendre que un jeu vidéo vous interpelle ou vous choque. Je peux le comprendre. Mais vous savez, nous, on vit et on passe du temps, énormément de temps, avec les patients et les professionnels de santé. Madame, quand on ne fait pas un jeu vidéo intéressant, on se le fait reprocher. Mais par qui? Par les patients qui nous disent « Écoutez, on ne s'amuse pas. » Vous voyez?
c'est comme ça. On travaille avec des professionnels de santé qui ont vu leur pratique quotidienne changer complètement par l'arrivée des technologies. L'imagerie médicale, ça a complètement changé la pratique médicale des professionnels de santé. On est dans cette mouvance-là. Et on est très bien accueillis par les professionnels de santé parce qu'ils ont l'habitude d'accueillir des nouvelles solutions. Après, on fait pas n'importe quoi. Je vous ai expliqué le processus de validation clinique. C'est très lourd, c'est très contraignant, c'est inévitable, et c'est la bonne manière. Voilà. Alors, je vois pas ce que ça vous choque. Peut-être vous jouez pas. Peut-être vos enfants jouent. Vous voyez, il y a cher monsieur, peut-être on va vous poser d'autres questions parce qu'effectivement nous sommes sur le sujet du modèle économique. Ici nous sommes à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et pour les entrepreneurs aussi, bien sûr. Et donc, pouvez-vous nous dire quel est le modèle économique qui est derrière, puisque vous l'aviez un peu abordé tout à l'heure sans nous l'expliquer. Et aussi une question sur le Zoom qui est de vous demander ce coût ou ces thérapies digitales, est-ce qu'elles sont payantes premièrement, et est-ce qu'elles sont ou pas remboursables à terme par notre système de sécurité sociale? Alors, je vais répondre à la fin de votre question. Vous savez, n'importe quel traitement, quand il a montré ses bénéfices patients et qu'il a montré ses preuves comme quoi sa mise sur le marché a un impact médico-économique positif, on va vers le remboursement. La prescription, on y est déjà, puisqu'on est dispositif médical. Donc après, ce sont des négociations qui se mettent en place. Les études que nous faisons, la dernière étude dont je donnais les résultats, c'est une étude qui est financée par le ministère de la Santé. Ça s'appelle un PRME, Programme de Recherche Médico-Économique. Donc vous voyez, on est sous l'égide à la fois des autorités de recherche, l'Agence nationale de la recherche et autres, mais aussi on est soutenu par le ministère de la Santé, qui voit arriver ces solutions-là. Alors, ils sont moins inquiets que vous, madame, parce qu'ils se disent, là, il y a quelque chose qui peut nous aider à diffuser des solutions thérapeutiques sur un territoire. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Aujourd'hui, la loi, elle change aussi la pratique du pharmacien. Le pharmacien, il ne va plus simplement donner des médicaments. Il va être aussi en charge dans son officine de pouvoir centraliser un certain nombre d'actes. Ce peut être ce type d'acte aussi. Vous voyez, il y a des téléconsultations qui se font chez les pharmaciens. Ils font déjà d'ailleurs des vaccins et autres. La santé change, son mode de fonctionnement aussi, et on arrive, nous, avec ce type de solutions qui rentrent finalement dans ce voilà. Le modèle économique, je n'en ai pas parlé volontairement. Aujourd'hui, les choses sont en train de se définir et de se négocier. Il y a plusieurs acteurs qui sont intéressés. Hein. Le patient, il peut s'abonner directement avec un coût. Il peut y avoir une prise en charge et un remboursement par les institutions. On parle avec certaines mutuelles qui peuvent offrir ces services-là aussi à leurs adhérents. Il y en a plusieurs. Je me tais volontairement aujourd'hui. C'est un peu prématuré. Mais les choses, je pense, vont aller très vite. À partir du moment où on termine ce processus de validation clinique et de mesures médico-économiques. Voilà. Ma question, c'est pour le professeur Dubois. Vous avez parlé d'un centre d'Alzheimer qui allait être mis en place à la Salpêtrière. Je me demandais, au niveau informatique, vous allez mettre en place quelle sorte d'algorithme ? Est-ce que ça va être des diagnostics à partir d'IA ou... Oui, alors l'idée, si vous voulez, c'est qu'on aurait... On va construire un bâtiment qui aura sous les trois briques. La première, ce sera les cohortes de patients qui vont venir et qu'on pourra explorer dans différents domaines, biologiques, cognitifs, génétiques aussi, bien sûr, neuroimagerie. Et toutes ces données vont enrichir une database. Et il y aura un étage, une deuxième brique, qui sera occupée par des data scientists, avec des open space qui vont pouvoir faire une sorte d'intégration plurimodale de tous ces marqueurs et qui vont pouvoir à ce moment-là faire des algorithmes en voyant quels sont ceux qui pèsent le plus dans la survenue de la maladie. Et à partir de là, on pourra enrichir
ce que j'appelle de mes voeux. Mais tout ça, c'est un projet à construire, un centre de prévention de la démence, enfin, du vieillissement cognitif, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va trouver un autre terme, ce n'est pas très joli, ça, et qui permettra, si vous voulez, à l'échelon individuel, de déterminer le risque et de repérer les facteurs de risque modifiables, éventuellement de proposer les thérapeutiques. Et la troisième brique, si vous voulez, c'est bien sûr celle des essais thérapeutiques. Une autre question ici. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez ? Donc j'ai une petite question. Je suis un petit peu étrangère à ce milieu, donc ma question c'était de savoir pourquoi on peut aujourd'hui utiliser des médicaments qui ne sont pas encore commercialisés dans les hôpitaux, et à quel moment peut-on commencer de votre côté la commercialisation de ces médicaments pour une population plus large. Alors là, vous posez la question finalement du parcours d'un médicament. Pour pouvoir être commercialisé, il faut qu'il ait démontré son efficacité. Pour qu'il ait démontré son efficacité, il faut qu'il soit comparé à un groupe placebo. Pour qu'on puisse montrer son efficacité par rapport à un groupe placebo, il faut qu'il y ait des patients qui acceptent de rentrer dans l'étude pour démontrer l'efficacité du médicament sur leur maladie. Donc ils sont tirés au sort, ils acceptent le principe d'être tirés au sort pour permettre de démontrer éventuellement l'efficacité du médicament. Tout ça, c'est très codifié. Et il y a des centres hospitaliers qui, parce qu'ils ont... ils répondent à un certain nombre de critères, sont des centres qui peuvent faire partie de ce réseau des laboratoires qui veulent étudier un nouveau médicament. Et c'est très, très, très codifié. Et surtout, si vous voulez, il y a énormément de garanties qui sont prises pour éviter de soumettre des malades à des médicaments potentiellement toxiques. Donc, on vérifie par des phases préliminaires l'absence de toxicité des médicaments. Puis après, on a une deuxième phase qui est une phase, la phase 2, où on commence à avoir une idée sur la dose qu'il va falloir utiliser et sur la réactivité potentielle. Et puis après, on passe à ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire la vraie vie, où on va confirmer, si vous voulez, les indications qu'on a eues dans les deux premières phases sur une population, alors cette fois-ci plus large, toujours à l'hôpital et dans le cadre d'une étude en double aveugle. Et ce n'est que s'il y a deux études positives que l'on peut aller à ce moment-là à l'agence, c'est-à-dire il y a soit l'agence européenne, l'IMA, soit à la FDA, l'agence américaine, puis il y a aussi la japonaise. Il y a trois grosses agences dans le monde pour, avec ce dossier, obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et après, ce sont les pays qui décident dans une commission de transparence du taux de remboursement du médicament. Professeur, pour raccrocher à ce que vous avez indiqué tout à l'heure, les médicaments, les trois que vous avez indiqués tout à l'heure, sont-ils déjà sur le marché ? Alors non, exactement, très bonne question. Donc ce sont les... j'ai compris d'ailleurs, c'est la continuité de votre question. Évidemment, c'est est-ce qu'on peut en bénéficier ? Non, car ce que je vous ai montré, ce sont des résultats préliminaires, celui de ces phases, avant l'autorisation de mise sur le marché. Un de ceux-là, l'aducanumab, a été présenté à la FDA, car je vous ai dit qu'il n'y avait pas de résultat cognitif. Il y avait un petit résultat cognitif. Ils sont allés à la FDA, finalement, il y a toute une histoire sur ce médicament. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais finalement, ils ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Mais il y a beaucoup de réserves, si vous voulez, sur l'intérêt de ce médicament. L'efficacité a été démontrée, mais il n'y a pas eu les deux études. Il n'y en a qu'une qui a été positive. Et finalement, l'IMA, l'Agence européenne, a refusé l'autorisation de mise sur le marché. Enfin, vous voyez, voilà, le médicament... Merci pour votre réponse. Je vois que l'heure tourne et nous arrivons bientôt au terme de notre discussion. Je vais passer la parole pour une dernière question à Patrice Sellos, qui est le président de notre partenaire, l'IESF. Oui, bonjour. Merci en tout cas. La question, c'est tout à l'heure, vous nous avez bien démontré que l'espérance de vie avait plus que doublé en l'espace de quelques dizaines d'années. Ça, c'est une chose. Donc, les progrès de la science sont là et sont tout à fait probants.
Mais d'un autre côté, vous nous dites qu'au plus nous vieillissons, et donc nous atteignons 80 ans, 90 ans, le pourcentage donc de maladies d'Alzheimer ne peut qu'augmenter. Ce qui fait que, d'un côté, il y a progrès de la science qui nous permet, au niveau de notre corps, d'être au top, et de l'autre côté, au niveau du cerveau, nous avons presque atteint un plafond de verre. Et donc, que faut-il faire? Et qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas le choix. On ne peut pas ne pas traiter les gens et ne pas leur permettre d'arriver en bon état jusqu'à l'âge où la maladie devient fréquente. Mais, et c'est ça qui est très, très intéressant, c'est l'étude des centenaires. Car quand je vous ai dit qu'on passait toutes ces étapes-là, il y a l'infarctus du myocarde à 60 ans, il y a le suicide amoureux à 18, mais il y a aussi l'Alzheimer à 80. Et on voit que les centenaires, finalement, sont ceux qui ont survécu, qui ont passé l'obstacle aussi. Donc on peut passer l'obstacle de l'Alzheimer, on peut ne pas l'avoir. La courbe n'est pas exponentielle. Il y a un pic. Et après 95... Moi, mon père vient de décéder à 102 ans. Il n'avait pas la maladie d'Alzheimer. Et à 102 ans, je parlais encore avec lui... comme je parlais quand il en avait 60. Il a passé le cap. Il a évité la maladie d'Alzheimer. Il est mort d'autre chose, mais il a évité la maladie d'Alzheimer. Donc on peut aussi... Vous voyez, ce n'est pas inéluctable. C'est intéressant. Là, vraiment, c'est la toute dernière parce que nous dépassons l'heure maintenant. Bon, vous avez parlé de ces trois médicaments qui donnaient à des personnes qui... ont déjà présenté des symptômes, influent sur les paramètres biologiques, mais n'influent pas sur les symptômes. Et vous avez évoqué la possibilité que donner en phase présymptomatique, il pourrait peut-être retarder l'arrivée des symptômes. Est-ce qu'il y a des données là-dessus, sur l'un ou l'autre de ces médicaments, ou est-ce que pour l'instant, ça reste une hypothèse? Ça reste une hypothèse. Quand je vous ai dit qu'il y avait un débat avec les Américains, il y a notamment une équipe américaine qui, très tôt, dès qu'il y a eu ces biomarqueurs, a fait l'étude, a lancé l'étude. Mais elle est très, très difficile à concrétiser, à terminer, pour la bonne raison qu'il y a très peu d'événements. C'est-à-dire qu'ils sont partis, la fleur au fusil, ils avaient un grand nombre de sujets qui étaient amyloïdes positifs, tirage au sort, deux groupes, et on s'embarque. Mais à l'arrivée, évidemment, il y a très peu d'événements. Donc, il va falloir attendre encore plus longtemps. Il va falloir peut-être augmenter le nombre de patients. Vous voyez, on n'a pas encore les éléments pour affirmer. Mais cela dit, notamment avec le donanemab, je ne suis pas là pour faire de la... avec les trois, si vous voulez. Ils sont tous maintenant sur la problématique du préclinique. Donc, ils vont tous s'embarquer là-dedans. Tous les gros labos vont s'embarquer là-dedans. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils aient, de notre part, des informations précises pour justement ne pas tomber dans ce piège qui est qu'ils n'auront pas de résultats s'ils n'ont pas une sorte de présélection des sujets qui sont à haut risque pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons éthiques. Un grand merci. Merci à vous. Peut-être je propose à Patrice, professeur Patrice Debray, de nous dire un mot en conclusion sur cette séquence. Écoutez, un mot en conclusion. D'abord, je vais remercier les orateurs et surtout le public. Moi, je pense que nous avons tous été passionnés par cette menace qui est en train de peser sur nous tous, finalement, d'après ce que tu nous as dit. Et c'est clair que les avancées aujourd'hui dans le domaine des neurosciences, d'abord... avance avec une vitesse assez considérable, aussi bien sur la meilleure cognition de ce qui se passe au niveau électrique, au niveau des stimulus, mais également au niveau de l'imagerie. Donc on a des outils de plus en plus performants et on peut maintenant aborder des maladies telles que l'Alzheimer, mais il y en a d'autres, avec toute une série de tests, d'hypothèses et on l'espère aussi maintenant d'avancées thérapeutiques qui permettront de faire avancer beaucoup ce type de pathologie. Voilà, je crois que c'était un début peut-être dans le domaine de la cognition. Sylviane, nous avons
des années devant nous pour continuer à l'étudier et probablement aussi à avoir besoin de recourir à Bruno et peut-être vous aussi pour repartir sur d'autres rivages des neurosciences. Voilà, merci. Voilà, un grand merci à vous pour les... Et juste vous dire, messieurs, que nous sommes là vraiment devant la preuve que lorsqu'on a des recherches, lorsqu'on a des avancées scientifiques extraordinaires et rapides, comme vous venez de le souligner, et lorsqu'on a des entrepreneurs aussi, qui, à partir de ces nouveautés, de ces nouvelles technologies, eh bien, on peut faire avancer et le monde, et les humains, et nous tous. Merci à vous. Je voulais vous dire que notre prochaine séquence, notre prochaine conférence, elle aura le lieu en juin, le 17 juin, toujours à la même heure, 18h. Vous êtes les bienvenus. Et nous serons sur un sujet tout aussi passionnant et préparé également par la FAS sur la question de l'olfaction. Les métiers du nez. Les métiers du nez, la recherche dans ce domaine et comment, justement, le monde, notamment des parfums, mais peut-être pas seulement celui-là, eh bien, s'appuie sur ces recherches-là. Donc, Patrice, merci à vous, parce qu'on ne va pas le déflorer aujourd'hui, mais regardez nos sites web, regardez nos invitations, inscrivez-vous et on vous attend nombreux. Merci à tous. Vous êtes attendus là-haut pour un pot et un petit verre de l'amitié, si vous voulez. À tout de suite.